Il aurait également dit, de toute façon, les caméras piétons des policiers ont été enclenchées, donc tout a été filmé, qu'il en voulait à ce qui se passait à Gaza et que la France serait complice de ce que faisait Israël. Et il aurait dit qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir. À Neuilly-sur-Seine. Il est connu des services de renseignement et de justice. Il a été condamné à notre connaissance à 4 ans de prison. C'est l'information que j'ai au moment où je vous parle. Il les a effectués.